Goldilocks, chef de la sûreté. Attendez, attendez. Alors, elle lui dit... Qu'est-ce qu'elle me dit, François? Ah, tu étais là. Eh ben, elle te dit... Bon, en fait, je m'en souviens plus très bien. Ouais, je vais te raconter des histoires. Vous aviez pas une filature à faire, vous? Si. Regarde comment c'est fait. Regarde, vous n'avez pas été repéré. Oh, maintenant, elle est trop malade. Et surtout que tout s'est passé comme tu l'avais prévu. Il est sorti de chez lui, il a pris une calèche, et ben. Alors, on l'a suivi, et puis on s'est retrouvé devant un petit château. Donc, il est entré, d'autres hommes sont arrivés, ouais. Ils sont entrés aussi, comme prévu. Vous les avez reconnus? Ah ben non, on les a pas regardés. Mais c'est lui qu'on suivait. Ils sont restés une partie de la nuit, et puis après, et après ils sont tous repartis, comme prévu. Nous, on l'a re-suivi, il est rentré chez lui comme prévu, et puis après... Deux gars nous ont relayés et ils sont sur place. Et il est où ce petit château? Oh, le petit château. Il est où? Comment il est où? Vous avez pas noté l'adresse, hein? Comme prévu! Voilà. Bon, écoutez, vous n'êtes pas de vrais policiers, c'est vrai. C'est d'anciens bagnards comme moi, c'est vrai. Je vous engage à la sûreté pour votre capacité de voleur et votre capacité à vous fendre dans le paysage, c'est vrai. Hein? Votre manque de scrupules et de moralité, c'est vrai. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'être bête. Mais tu nous avais pas dit qu'il fallait noter l'adresse? Tu nous avais simplement dit de suivre.